Le rêve de l'artiste écrivain, poète et dramaturge Yvan Wilfried Lewale Manda est devenu réalité. Transposer l'expérience du Salon de Livres de Paris sur la terre de Tati Loutar et Tikaya Outamsi. Le Salon du Livre de Pointe-Noire a ouvert ses portes pour la première fois samedi 24 juillet au musée Cercle Africain en présence du directeur départemental du Livre et de la Lecture Publique, Alphonse Sardin-Kala, et un parterre d'écrivains congolais de Brazzaville et de Pointe-Noire, dont les anciens Henri Djombo et Tichele Tivela. Les participants à la cérémonie d'ouverture ont suivi deux communications. La première, celle d'Yvan Wilfried Lewale Manda, justifiant la raison d'être de ce salon. Le salon littéraire, c'est un espace de cohésion, un espace de promotion des œuvres des écrivains. C'est aussi un espace d'expression littéraire, mais aussi artistique. Un salon littéraire est un tremplin pour ceux que nous appelons aussi écrivains et poètes en herbe, parce que notre objectif, parmi tant d'autres, c'est de voir aussi qu'à travers ce salon, de nouveaux talents soient suscités, de nouvelles voies de la littérature congolaise surviennent. Dans la deuxième communication, Alphonse Sardin-Kala a mis l'accent sur l'impact de la COVID-19 sur l'activité littéraire avant de déclarer ouverte cette première édition du Salon du Livre à Pointe-Noire, organisé par Mimo Events, sous le thème « Écrire à l'ère de la COVID-19 ». Le norme a été fait de parler de l'impact de la COVID-19 sur le secteur du livre et de la littérature, étant entendu le contexte de crise sanitaire qui caractérise cette période, mais aussi de procéder à l'ouverture de ce salon du livre. Pour les organisateurs de ce salon, il est peut-être question d'ouvrir le champ en regardant comment cette pandémie impacte le secteur du livre à travers le monde et particulièrement à travers le département de Pointe-Noire. Ceci dit, au nom du ministre de la Culture et des Arts, je déclare ouverte la première édition du Salon du Livre de Pointe-Noire. De fil en aiguille, une première tribune a vu la présentation de l'œuvre théâtrale « Hécatombe et Romantada » de l'écrivain Lewale Manda, dont la critique a été faite par Armel Pinzula. Une œuvre gigantesque de son point de vue, qui est une satire sociale et politique de nos sociétés. Il s'est ensuivi une série de dédicaces, puis d'autres tribunes ponctuées par des pièces de théâtre de la compagnie Autopsie et une chorale chrétienne.